Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل نايا pourquoi tu nages hein alors aujourd'hui on va faire un cours très très important et le titre c'est هو الله الخالق هو الله الخالق هو الله الخالق Ça veut dire Allah Azza wa Jal, c'est lui Allah notre créateur. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? Ça veut dire quoi Allah? Naam? Nada? Nuha? Le Dieu. Mariam? Le Créateur. Najma. Le Seigneur. Le Seigneur. Ensuite. Alors, on écoute, on n'a pas besoin de stylo. Et je rappelle que les exercices, on les fait à la main. Et il est strictement interdit de faire. Les exercices en classe. D'accord ? Les devoirs, on les fait à la main. Non. Et on les fait pas en classe. Est-ce que c'est con ? Oui. Vous êtes bien ? Oui. Sûr. Allah, tabaraka wa ta'ala, ça veut dire. Le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Parce qu'il y a d'autres dieux que les gens, ils adorent. Les gens, ils adorent le sceau. Les gens, ils adorent les vaches ou les arbres, ou les animaux, ou les étoiles, etc. Tout ça, ce sont des dieux, des divinités. Mais est-ce que ce sont des vrais dieux? Non. Est-ce que les statues, ce sont des vrais dieux? Non. Ce sont des faux dieux. Donc, quand on dit Allah... C'est pas simplement Dieu. Allah, c'est le vrai Dieu qui mérite d'être adoré en vérité. Et quelqu'un il va te dire, mais je comprends pas, Maria Belahsan. Pourquoi on doit adorer Allah et on peut pas adorer les statues? Pourquoi je dois adorer Allah et je dois pas adorer Bouddha? Pourquoi je dois adorer Allah et je dois pas adorer Issa? Pourquoi je dois adorer Allah et je dois pas adorer
le soleil, la lune, les animaux, etc. Qui peut me dire pourquoi? Très bien, premièrement, parce que c'est lui qui nous a créé. Qui nous a créé? Allah. Est-ce que c'est les statues qui t'ont créé? Non. Donc pourquoi on va adorer les statues alors que c'est pas eux qui nous ont créés? Donc c'est Allah qui nous a créé. Et il nous a créé, et il nous a créé pour l'adorer. Donc Allah il nous a créé pour l'adorer. Donc c'est pour ça qu'on adore que lui. Est-ce que les statues nous ont créés? Non. Est-ce qu'on doit les adorer? Non. Est-ce que le prophète Isa alayhi salam, Jésus nous a créés? Est-ce qu'on doit l'adorer? Non. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a créé? Non. Non. Donc est-ce qu'on doit l'adorer? Non. Non. Vous avez compris ou pas? L'aimer. On doit l'aimer, mais on ne doit pas l'adorer. Parce que même lui, il adore Allah. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait. Est-ce que les statues sont parfaites? Non. Elles sont en pierre, ou elles sont en bois, ou elles sont en date. Tu la pousses, elle se tombe, elle se casse. T'as déjà vu un dieu que tu pousses et qui se casse? Non. Donc, est-ce qu'on va adorer les statues? Non. Non. Est-ce que les prophètes, ils sont parfaits? Non. Non, non, les prophètes, c'est des êtres humains. Des fois, ils sont malades. Des fois, ils sont tristes. Eux, ils meurent. D'accord? Et le prophète Mohammed Sallam, il est mort. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il est parfait? Non. Oui. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il meurt? Non. Allah, il ne meurt pas. Allah, il est Al-Hay. Répétez, Al-Hay. Al-Ladhi. La Yamoud. Al-Hay. Al-Ladhi. La Yamoud. Allah Azza wa Jal, c'est lui le vivant. Celui qui ne meurt jamais. Celui qui ne meurt jamais. Celui qui ne meurt jamais. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on va étudier le sujet Hu Allahu al-Khaliq. Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur. Car Allah Azza wa Jal, il a tout créé. C'est lui qui a créé les êtres. C'est lui qui nous a créés. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi Allah nous a créés? Est-ce qu'Allah nous a créés pour s'amuser? Est-ce qu'Allah nous a créés pour qu'on fait que manger? Pour qu'on fait que boire? Pour qu'on fait que dormir? Pour qu'on fait que jouer? Non. On a le droit de boire. On a le droit de manger. On a le droit de dormir. On a le droit de jouer, mais pas tout le temps. On doit adorer Allah. Donc là, maintenant, vous commencez à avoir 7 ans. Levez votre main ceux qui ont 7 ans ou plus. 7 ans ou plus. Et levez la main ceux qui ont 6 ans. Vous avez bientôt 7 ans. Ça veut dire que là, je m'adresse à toute la classe. Je m'adresse à toute la classe. À partir de maintenant, vous devez prier vos 5 prières. Vous devez prier vos 5 prières. Parce qu'Allah, il t'a créé pour que tu l'adores. Allah, il t'a créé pour que tu pries. Donc, avant de partir le matin à l'école, qu'est-ce que tu fais à partir de maintenant, avant de partir à l'école? Tu salles 2 raka'at. Ensuite, tu vas à l'école. Quand tu reviens de l'école, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu fais ta prière. Ouais, là, tu n'as pas besoin de la rattraper parce que tu es toujours dans l'heure. Donc, tu fais ta prière du dhuhr. D'accord? Pas à 10 ans, à 7 ans. Et à 7 ans, tu dois déjà savoir prier. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à 6 ans. D'accord? C'est pas, on n'attend pas 10 ans, c'est maintenant. D'accord? Quand tu rentres de l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu pries le dhuhr, 4 rak'at. Ensuite, tu vas prier le asar. D'accord? Tu vas prier le asar à partir de 17h30 ou de 18h. Ensuite, avant de dormir, tu vas prier le maghrab. Si tu es très fatigué, ben tu vas prier le maghrab et le isha. Sinon, tu pries le maghrab, tu attends un petit peu, tu fais le isha. D'accord, les enfants? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous faites vos prières.
parce que c'est le chemin du paradis. Et comme Allah Azza wa Jal, il nous a créés, eh bien, on doit lui obéir. Et Allah, il nous demande de faire la prière. Donc, à partir de maintenant, on va tous la faire. On va tous lever nos mains. Et on va tous dire Allah Azza wa Jal. Non, on lève les mains comme ça, Amin. Je suis pas la police, hein. Quand je te dis lève les mains, tu les lèves comme si tu étais la police. Nous, hein? Ça, si tu lèves tes mains comme ça, ça veut dire que tu as fait une bêtise. Non, nous, on lève les mains comme ça pour demander à Allah. Tabaraka wa ta'ala. On va tous demander à Allah Azza wa Jalla de nous guider vers le droit chemin et de nous guider vers le chemin de la prière. Parce que vous savez que si Allah ne nous aide pas, on ne pourra jamais prier. Si Allah ne nous aide pas, on ne pourra jamais aller au paradis. Donc là, on va demander à Allah de nous guider. On va demander à Allah Azza wa Jalla de nous guider et on va lui demander de nous faire entrer au paradis. Si quelqu'un ne veut pas aller au paradis, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un ne veut pas aller au paradis, il ne faut pas qu'il demande. Il peut sortir de la classe s'il veut. Non? Il y en a ici qui ne veulent pas aller au paradis? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas aller au paradis? Allah, il nous laisse le choix. Soit tu vas au paradis et tu fais les choses, soit tu vas en enfer et tu ne fais rien. Donc celui qui ne veut rien faire, ben, il choisit son chemin. D'accord? Donc on va lever les mains avec notre cœur. On va penser, on va méditer, on va réfléchir à ce que l'on dit et on va demander à Allah Azza wa Jal, comme ça, de nous guider et de nous faire entrer au paradis. Répétez après moi. Allahumma inna nas'aluk al-huda wa tuqa والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. Donc comme Allah Azza wa Jalla nous a créés, nous devons lui obéir. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a créé toutes choses. Allah Azza wa Jalla, il a tout créé. Qui a créé le ciel? Allah. Qui a créé le ciel? Allah. Vous êtes endormi ou quoi? Qui a créé le ciel? Allah. Qui a créé la terre? Allah. Qui a créé le soleil? Allah. Qui a créé la lune? Allah. Qui a créé les étoiles? Allah. Qui a créé la lumière? Allah. Qui a créé le jour? Allah. Qui a créé la nuit? Allah. Qui a créé ton papa? Allah. Qui a créé ta maman? Allah. Qui t'a créé toi? Allah. Qui a tout créé? Allah. Qui a créé les petites choses? Allah. Les minuscules choses? Allah. Les grandes choses? Allah. Les bonnes choses? Allah.
Allah Azza wa Jal, il a tout créé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous donne chaque jour de la nourriture et de la boisson et la santé. Allah Azza wa Jal, il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et n'oubliez pas les enfants, pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés? Oui. Très très bien, c'est vraiment beau ce que tu dis. Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer. Ça veut dire quoi l'adorer? Ça veut dire qu'on doit lui obéir et on ne doit pas lui désobéir. D'accord? Et le meilleur moyen d'adorer Allah, c'est de suivre la religion qu'Allah a choisie pour nous. C'est laquelle la religion qu'Allah Azza wa Jalla a choisie pour nous? Inaya, c'est l'islam. Très très bien. Si on choisit une autre religion, est-ce qu'on va vraiment adorer Allah? Non. Non, parce qu'en fait, les autres religions, ils ont été modifiés, ils ont été changés. Et pour réellement et vraiment adorer Allah Azza wa Jal, il faut suivre les enseignements de l'islam. Donc on va terminer cette leçon en remerciant Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'il nous donne à manger et à boire chaque jour, alors qu'il y a des personnes dans le monde, des enfants qui ont votre âge, qui n'ont pas à manger et à boire. Donc on dit Allahu Akbar, Kabira, walhamdulillah, kathira, wa subhanallah, بكرة وأصيلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه